Hello les amis, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça va être un mélange entre un petit retour de course, du meal prep, un peu de cuisine, voilà comment j'anticipe ma semaine, comment je m'organise pour perdre moins de temps la semaine. Donc je prépare beaucoup de barquettes, je prépare tous les petits pots pour Valentina en avance, comme ça la semaine je n'ai plus qu'à les sortir. Voilà un petit peu mon organisation culinaire pour toute la semaine et c'est parti. Avant d'entamer la cuisine, je vais passer du coup faire des courses. On va aller chez Carrefour vite fait. J'ai pas énormément de courses à faire, c'est juste un tout petit plein d'appoint, on va dire. C'est surtout qu'il me faut des yaourts pour Valentina, des compotes aussi pour chez la nourrice. Et voilà, je voudrais trouver 2-3 petites bricoles. Je pense que cet après-midi, on va faire des crêpes, vu que c'était de la chandeleur hier. Ça me paraît plutôt pas mal de faire des crêpes. Bon, j'en fais régulièrement le week-end, mais là du coup je vais en refaire pour une bonne occasion. Et après voilà, je sais pas, je vais cuisiner pour la semaine, je vais voir ce que j'ai à faire. Et je pense qu'après aussi on ira se balader en fin de journée. Du coup je vais ramener des crêpes aussi pour ma maman. Je fais les courses toute seule avec les filles et alors ce que j'adore dans le rayon bébé, c'est souvent aller voir les petits pots justement des bébés, voir un petit peu les compos, enfin entre guillemets les compos, les menus qu'ils proposent, les plats qu'ils proposent, ce qu'ils assemblent en fait entre légumes, féculents et protéines. Et souvent je refais en fait exactement la même recette que des pots qui vont être industriels. Je puise tout simplement mon inspiration là-bas. Vous pouvez le voir, j'ai fait les courses en fait il y a quelques jours déjà, donc en fait j'ai pas du tout racheté de légumes ni de viande. J'ai le congélateur qui est plutôt plein du coup maintenant de barquettes. Là j'ai vraiment juste fait un mini des mini courses en fait d'appoint, histoire de pour avoir en fait juste les petits trucs qui me manquaient. Du coup pour ce mini retour de course, du coup j'ai pris des petits suisses pour les filles. Alors Angelina elle adore ça et Valentina en fait je commence à lui en donner un petit peu. Je trouve que c'est pas mal, voilà, je crois que c'est au lait demi écrémé. Mais il faut que je regarde si c'est au lait demi écrémé. Lait écrémé et crème pasteurisée. Bon normalement il faut du lait entier, mais bon, j'ai envie de vous dire, pour cette fois-ci, ça va passer. En tout cas, elle adore. J'ai repris du pain pour mettre au congélateur. Ça, c'est les compotes pour Valentina aussi que je donne à la nounou. Je ne prends pas forcément du bio. C'est juste qu'en fait, les compotes pour bébé de la marque Carrefour Bio sont limite en fait moins chères que des grandes marques. Donc du coup, je prends celles-ci et je les prends au rayon bébé parce qu'elles sont beaucoup plus mixées en fait que les compotes normales. Parce que d'habitude, je prends des normales. Ensuite j'ai pris un Nutella parce que évidemment c'est la chandeleur, enfin c'était la chandeleur, donc on va faire des crêpes. J'ai pris des petites bûchettes de sucre. Ça je prends toujours ce genre de petits trucs pour Angelina pour le week-end, surtout quand c'est à moins 30%. Bon là il y a encore jusqu'au 7, on est le 3, donc ça va, il y a encore quelques jours où elle va pouvoir les consommer. Il n'y en a que 6, donc ceux-là elle va pouvoir les prendre. Je prends ces boudoirs là maintenant pour Valentina aussi. Les autres en fait ils s'effritaient trop. Du coup maintenant je les prends, je prends des durs. J'ai pris des céréales pour Angelina. Ah il y a un faux jour.
J'ai pris des céréales pour Angelina comme ça. J'ai repris du café. J'ai pris du sucre en grains aussi parce que je pense que je vais faire une brioche dans la semaine. J'ai Valentina qui a trop faim, qui a trop envie de manger. J'ai pris du sucre vanille. Il était pas cher, il passait à 1€ et quelques. J'adore ce sucre-là. J'arrive mon cœur. J'adore ce sucre-là. J'ai repris des cotons, des couches et de l'eau. Juste avant qu'Angelina aille faire sa sieste, je lui ai promis qu'on allait préparer les crêpes ensemble. La technique maintenant que je fais, c'est qu'on prépare la pâte toutes les deux, ensuite je la mets à sa sieste. Et justement, pendant sa sieste, moi j'en profite pour faire cuire les crêpes. C'est souvent la partie la plus longue et bon, au bout d'un moment, elle décroche, c'est normal. Du coup, j'en profite qu'elle dorme, comme ça après, une fois qu'elle est réveillée de sa sieste, tout est déjà prêt et elle est trop contente. Je prépare mes crêpes tout en étant sur l'ordinateur, ça y est, je commence mes montages du coup sur l'ordinateur. D'ailleurs, c'est la première vidéo avec le montage et la voix off sur l'ordinateur. S'il y a des petits décalages de son, si la musique est trop forte par rapport à la voix off, n'hésitez pas à me le dire justement en commentaire, parce que c'est vraiment la première fois du coup que je fais l'intégralité d'un montage de mes vidéos avec la caméra et sur mon ordinateur, donc voilà, ça me permet au moins de faire un petit peu de tous mes réglages, mais vous savez que j'attends énormément de vos retours aussi. C'est vous les principales concernées qui vont regarder mes vidéos et j'ai besoin de savoir aussi les petites choses à régler, là où il y a des petites choses à améliorer tout simplement. J'ai terminé de préparer mes crêpes. Regardez, ça donne trop envie. Donc je les ai faites au sucre vanillé du coup. Ça sent vraiment la vanille. Ça sent trop trop bon. Et voilà, donc j'ai quand même pris du Nutella pour aller avec. Et puis on ira prendre le goûter chez ma maman. On ira manger les crêpes tout à l'heure. Au frigo du coup, j'ai dit que j'allais racheter des légumes, notamment, regardez, j'ai pris des petits pois frais qui étaient en... Attendez, si ça se met bien. En DLC courte. Alors, il y a 250 grammes. Autant vous dire que c'est vraiment réquitien. C'est tout petit. 3,37€ en DLC courte, maintenant c'est 4,50€. En fait, pour manger des petits pois frais, il faut clairement être blindé pour 250 grammes. Parce que ça, franchement, c'est pour une personne et demie. Bref, j'ai pris ça pour Angelina, pour Valentina, pardon. Donc je vais lui préparer ça. J'ai pris aussi des carottes et je vais lui mixer ça en fait avec soit un poisson, soit une viande. Et en fait, ce midi, je vous ai pas montré, j'ai acheté ce matin en fait des petites pâtes perles. Attendez, je vous montre. Donc c'est celle-ci que j'ai pris ce matin à Carrefour. Normalement, en fait, j'achète des petites pâtes étoiles. Mais là, il n'y en avait pas et du coup, j'ai pris des petites perles. J'en ai fait pour Angelina parce qu'elle ne connaissait pas et elle voulait absolument goûter ça. Et en fait, une fois que c'est cuit, vous voyez, ça fait vraiment comme...
Ça fait des pâtes perles en fait. On dirait de la grosse semoule en fait. Un petit peu dans le même style, mais version pâte. Donc vu que j'en ai cuit beaucoup trop, vu que je ne sais absolument pas doser les pâtes, je vais du coup préparer des petits pots pour Valentina. Donc je vais faire petit pois carotte pâte et soit un poisson, soit une viande. Les filles, pour le petit pot de Valentina, j'ai bien envie de tester la chair à saucisse. Elle a jamais mangé ça encore. J'essaye là de lui faire vraiment goûter tout. Tout pour un peu appréhender soit les risques d'allergie, soit les risques de rejet, etc. Et lardon, elle a déjà mangé. Du bœuf, alors le bœuf c'est bien, mais même le steak haché ou quoi, ou la viande hachée, en fait, ça, quand c'est trop cuit, au final, ça se mixe pas bien. Le poulet elle a déjà mangé, mais la chair à saucisse jamais. Donc j'aimerais bien tester peut-être petit pois carotte chair à saucisse. Moi ouais, je pense que ça peut le faire. Je vais essayer et je vous dirai si c'est bien mixé. J'ai le lave-vaisselle qui bip. Je vous dirai si c'est bien mixé, si ça fait pas de morceaux, si ça peut se manger correctement et tout. Si c'est bon aussi, mais en vrai pourquoi pas. Lardon fumé, je vois ça fonctionne bien. Je l'ai fait cuire avant en fait. Je les dégraisse et je les fais cuire. Et après je les mixe, ça fonctionne bien. Donc je me dis, bah chair à saucisse, ça doit faire pareil. Je vais tester. Du coup, c'est encore un peu chaud, mais j'ai mis petit pois carotte et j'ai ma chair à saucisse qui est dans le fond. Je vais mixer tout ça et je vais voir vraiment ce que ça donne. J'espère que ça va être pas mal quand même, parce que sinon, ben je sais pas comment je vais faire. Mais voilà, bon, j'espère que ça sera bon quand même. Je vous dis ça, je vais mixer ça dans 2 minutes. Les filles, ça a l'air incroyable. Vous savez ce qui vient de se passer? En fait, j'ai tout mixé, etc. Sauf que la chair à saucisse, je l'avais fait cuire déjà vapeur. Et après, je l'ai mise directement à l'intérieur. Je viens de me rendre compte que c'était de la chair à saucisse aromatisée aux légumes. En gros, là, dedans, vous avez petit pot, du coup, de petits pois carottes frais avec de la chair à saucisse du boucher avec une sorte d'aromate légumes ou mélange légumes. Du coup, il y a un espèce de petit arrière-goût oignon-poivron. Les filles, c'est incroyable. Ça a l'air super bon. Franchement, j'ai goûté. C'est délicieux. Franchement, elle va se régaler, Valentina. Entre temps, j'ai rejoint ma maman, on va aller faire une balade, j'avais trop envie d'aller voir la mer, aller en bord de mer un petit peu, voir la plage, etc. Et je continuerai du coup mon batch cooking juste après la balade.
Pour continuer dans mon batch cooking, rien de mieux qu'une recette bien française. On va préparer un bourguignon version un petit peu express. Je vous partage les produits Kiara que j'ai reçus justement pour pouvoir améliorer mon quotidien des repas et pouvoir m'aider à cuisiner d'autant plus. J'utilise les poêles et les casseroles de la marque Kiara. C'est une marque que je viens de découvrir et l'avantage de ces casseroles et de ces poêles-là, c'est que tout l'intérieur est directement en céramique. Donc je peux cuisiner déjà tranquillement dedans sans qu'il y ait des petits morceaux de revêtement qui partent comparé à d'autres marques où c'est vrai que moi ça a souvent été mon souci à force de les utiliser en fait. Le revêtement finissait par partir et là en l'occurrence ce ne sera pas le cas. Il me manquait en plus vraiment une grosse casserole, voire une grosse marmite comme ça pour pouvoir préparer des plats bien familiaux. Du coup, je prépare cette petite recette. Je mets la viande avec des carottes, un petit peu d'oignon nouveau. Je vais rajouter un peu de farine, du vin rouge. Je rajoute de l'eau. La farine sert à épaissir tout simplement la sauce, on va dire le bouillon. Et je laisse cuire environ 2h30, voire même 3h. À feu doux, je vais laisser vraiment mijoter hyper longtemps et après comme ça la viande, elle va pouvoir devenir de plus en plus tendre, ça va être délicieux. Pendant que ma viande est en train de cuire, de chauffer juste à côté, je vais préparer des petits pots pour Valentina. Vous le savez, j'anticipe toujours la semaine et je prépare un max de petits pots dès que j'ai le temps, dès qu'il y a des légumes dans le frigo, voilà. Cette fois-ci, je vais faire courgettes, carottes, panais et je vais rajouter des lardons fumés à l'intérieur. Et je ferai en fait une partie avec de la semoule et une partie sans semoule. Pour les casseroles, j'ai choisi une couleur un petit peu entre le orange et le terracotta. Je les trouve vraiment trop belles. Je trouve que ça change un petit peu ce genre de couleur, ce genre de design en plus pour des ustensiles de cuisine. Si vous allez sur le site, vous avez d'autres couleurs bien évidemment. Vous pouvez choisir, il y a une sélection de couleurs de disponibles. D'ailleurs, je vous mettrai le petit lien en barre d'infos et si vous voulez, je vous glisserai un petit code promo avec. Kevin et moi, on cuisine des gros plats, notamment là, le bourguignon. Je vais pouvoir le mettre en barquette et je vais congeler ça. Et du coup, ça va vraiment m'aider pour la semaine. Comme ça, j'aurai plus qu'à sortir en fait des barquettes, soit pour le midi ou soit pour le soir. C'est vraiment beaucoup plus pratique pour moi. Je gagne vraiment du temps à faire ça. Et je vais aussi faire du coup, je vais rajouter quelques pots pour Valentina. Valentina, je lui fais des pots quand même régulièrement parce que en fait je ne souhaite pas qu'elle mange la même chose en une journée, en fait en deux jours. Sur 48 heures, je veux pas qu'elle mange la même chose. Par exemple, si elle mange carottes panais le midi, je veux pas que le lendemain midi elle remange carottes panais. J'essaye vraiment de varier, donc souvent je tourne avec trois variantes différentes que je change au fur et à mesure. Et je fais souvent un truc à base de carottes, un truc à base de légumes avec viande et un autre avec légumes verts et poissons. Et voilà, j'essaie de varier en fait vraiment de temps en temps comme je peux au niveau des saveurs.
Donc là, on est sur brocoli avec un peu de carotte. J'ai aussi fait cuire de la dorade que je vais rajouter du coup à l'intérieur. J'ai fait gaffe au niveau des arêtes et j'ai rajouté en fait des petites pâtes. Mais alors celles-ci, en fait, je ne vais pas les mettre dans la purée. Je vais attendre en fait, je vais d'abord faire la purée et ça je vais rajouter après parce que ces petites pâtes en fait, elles fondent hyper bien en bouche et Valentina commence, ça y est, à en manger. Du coup en fait je vais mettre directement par-dessus le petit pot et quand on lui servira en fait son pot, on n'aura plus qu'à mélanger et tout sera mis avec. Mais ça du coup ce sera pas mixé, donc c'est parfait, on commence un petit peu les morceaux et du coup ça c'est vraiment pas mal, ça fait un petit complément en plus de féculents. Donc là on a légumes poissons. Et on a la poire en féculent. Je termine cette vidéo 100% cuisine par les derniers petits pots de Valentina. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce thème-là vous intéresse. Comme toujours, n'oubliez pas de venir vous abonner sur Instagram, de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si vous voulez que je vous partage d'autres recettes d'ailleurs, des petits pots ou des plats que je prépare pour les filles, n'hésitez pas à me le dire. Comme toujours, venez me suivre aussi sur YouTube et on se retrouve dimanche prochain. À très vite !